Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse abondamment. La louange à Allah, Seigneur des mondes. Et la paix et le salut sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Amin. Alors, la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah la grecque, qu'Allah soit satisfait d'elle, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la paix et le salut sur lui, a dit: celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les nobles, les pieux émissaires. Et celui qui le récite avec hésitation et difficulté aura de récompenses. Donc, mes frères, celui qui... On a deux gendres. Celui qui excelle dans la récitation du Coran, c'est-à-dire celui qui lit le noble Coran avec compétence, celui qui récite le noble Coran avec tajwid, d'accord ? Par exemple, on a deux personnes, Mohamed et Ahmed, par exemple, d'accord ? Mohamed a la possibilité de réciter le noble Coran avec tajwid de manière tellement bien, d'accord ? Et en plus, Mohamed mémorise le noble Coran. Alors Mohamed mémorise le noble Coran et récite le noble Coran de manière tellement bien. Mohamed, si j'ai posé quelques questions, Mohamed, tu as la capacité de réciter la sourate al-Fatiha? Oui, vraiment. Alors dis-moi, Bismillahirrahmanirrahim, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors, il récite de manière tellement bien. Alors dis-moi, la sourate du monothéisme, la sourate d'Al-Ikhlas? Oui, vraiment, il dit, oui, vraiment, j'ai la capacité de faire. Alors, Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad. Très super, Mohamed. La sourate d'An-Nas? Oui, vraiment, Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi Rabbin Nas Malikin Nas. Très super, mashallah. Alors, Mohamed, Mohamed a excellé dans sa récitation. Alors, Mohamed s'appelle quoi? Mohamed s'appelle Amahir. Alladhi yaqra'u al-Qur'an wa huwa mahirun bihi. Mahirun bihi, c'est-à-dire Al-Mahir, c'est-à-dire celui qui excelle dans la récite, celui qui fait preuve de maîtrise dans sa façon de réciter le noble Coran et dans sa mémorisation. Précieux père, alors Al-Mahir sera avec qui? Al-Mahir sera avec les nobles, les pieux émissaires. Notre prophète a dit, sera avec les nobles pieux émissaires. Les nobles pieux émissaires, mes frères, c'est les malaïka. Ça s'appelle al-malaïka. C'est-à-dire les anges. Les nobles pieux émissaires, c'est l'ange. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate de Abasa, Allah a dit dans un verset, fi suhufin mukarrama, dans deux vénérables feuillets. مرفوعات مطهرة إلغي بيغيبيه بأيدي سفرة كرام بررة entre les mains des nobles pieux et messères, entre les mains des messères nobles pieux. Masha'Allah, très super. Alors, il est avec les nobles pieux et messères. Al-Mahir, celui qui lit le noble Coran avec tajwid, sera avec les nobles pieux et messères. Il est le régal de la récitation du Coran. Il est avec eux de la même degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est avec eux de les mêmes degrés qu'il occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous rende avec les nobles pieux et messieurs. Dis-y Amin. Amin. Et compte à celui qui récite le noble Coran avec hésitation, avec difficulté, avec peine, avec maladresse, avec complication, alors etc. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour lui deux récompenses. Masha'Allah, quel généreux! Allah subhanahu wa ta'ala, la gloire sur lui, a beaucoup de générosité. Masha'Allah, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Alors, mes frères, si tu n'as pas la capacité de réciter le noble Coran de manière bien, alors ouvrez le mushaf, ouvrez le noble Coran, par exemple, Ahmad n'a pas la capacité de réciter le noble Coran de manière bien. Alors il récite pas à pas, d'accord, avec difficulté, avec peine, avec maladresse. Alors Ahmad a dit Bismillahirrahmanirrahim. Et Ahmad est très triste parce qu'il lit lentement et il n'a pas la compétence pour lire le noble Coran comme Al-Mahir. Alors Ahmad, ne soyez jamais triste. Car Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour toi deux récompenses. La première pour la récitation et la seconde.